Les actions prévues par les États nous emmènent à une augmentation moyenne de la température de plus 3 degrés. Ce qui va se passer dans les 10 prochaines années va écrire l'histoire des centaines d'années à venir. Vu quoi, c'est une des questions que je pose systématiquement en plus à mes étudiants en début de cours sur la critique de la croissance. À quoi ça peut bien nous servir? Est-ce que je peux maintenir en fait un extractivisme? Donc derrière, il y a l'idée aussi que bah, vu que ça va super vite, on va trouver des solutions pour tout, que c'est juste une question de temps. C'est terminé en fait, le numérique lui-même ne sera pas durable, il va falloir arrêter. Donc, tout ça est un petit peu un jeu de dupes. Bah, on travaille en fait, pourquoi? On travaille pour racheter en fait les choses qu'on jette. C'est pas souhaitable qu'elle revienne cette croissance. La décision qu'on doit prendre aujourd'hui ensemble, c'est de subir ou choisir.